Les étoiles du commerce, édition 2019. Chaque année, les artisans, les commerçants sont mis à l'honneur. Nous sommes en plein cœur de Bordeaux avec Sophie Tournis, la joaillerie Tournis. Une histoire de famille, Sophie. Tout à fait. Ça existe depuis très 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 longtemps. Vous êtes la cinquième génération à travailler dans le bijou. Exactement, 123 ans. Et c'est une vraie histoire de famille parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a maman qui est ici, Nathalie. Votre papa qui est dans l'atelier, qu'on va voir dans un instant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette passion de ce métier, selon vous ? Il y a une vraie transmission du savoir-faire et des passions pour le métal et pour les pierres, surtout. Et nous rentrons, Sophie, dans l'atelier. Voici l'antre donc de cette bijouterie familiale. Il y a le frère Alexandre, le papa Pierre-Frédéric. Il y a aussi Didier, qui est un collaborateur de la famille depuis très longtemps. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde aujourd'hui, vous avez vu, ça bosse, hein, ça bosse, et puis Noël approche, donc il y a du bijou à préparer. Ce qui est génial, c'est que le frère, Alexandre, comme vous, bah, à un moment, vous avez quitté cette histoire de famille, vous avez fait autre chose. Tout à fait, on a fait d'autres études, d'autres, une aventure professionnelle avant d'intégrer l'entreprise. Voilà, la passion du bijou nous a rattrapés. L'aventure doit continuer, on a un beau métier, on a un beau savoir-faire, ça serait dommage de le perdre. Comme vous pouvez le voir, on continue de travailler vraiment à la main, à l'ancienne, le travail à la cheville, ce qu'on appelle. Et je pense que notre grand-père serait fier de savoir qu'on a poursuivi l'aventure. Alors moi, je ne peux vous donner qu'un seul conseil, Sophie, vous et votre famille, le soir de la cérémonie, mettez vos plus beaux bijoux. On compte dessus.